Construite dans les années 70, Okulea restera jusqu'à nos jours le nom, le symbole le plus connu en termes de navigation traditionnelle du triangle polynésien. Il effectuera 40 ans plus tard après son premier voyage à Tahiti en 1976. Un tour du monde qui le ramènera le 25 avril 2017 en passe Tavamoa à Taputapuatea. Aujourd'hui, son pont est ouvert au public. Il est amarré pour quelques heures sur le petit quai de Opua pour le plus grand bonheur de la population et des touristes. Une fois à bord, impossible de se distraire. Mais pourtant, nous sommes déjà emportés au gré des flots dans cette grande aventure qui a su guider ses navigateurs, ses cousins hawaïens du grand océan, Te Moananui o Hiva, qui relie depuis toujours nos deux archipels, nos deux cultures. À première vue, cette pirogue double n'a rien d'exceptionnel, sauf que c'est ainsi que nos ancêtres parcouraient les océans sur de grandes embarcations de ce genre lors de grandes expéditions pour coloniser les îles avoisinantes du Pacifique. Maui est le photographe et caméraman de l'équipage. Chaque jour, il immortalise des moments marquants du voyage autour de la planète. Nous apprenons tout à bord, la vie en communauté avec un minimum de gaspillage. Nos navigateurs, nos capitaines, nous enseignent également à nous réapproprier les éléments de la nature, comme le vent, l'océan, les étoiles. Et nous avons aussi la chance de prendre le gouvernail. Grâce à ces installations solaires qui alimentent en énergie cette parabole satellitaire, Maui peut aussi converser directement avec le monde extérieur et poster ses clichés, ses vidéos sur Internet. Le voyage ne finit jamais, malgré que nous arrivons à la fin d'une étape. La mission de Hokulea vient juste de commencer. Nous avons parcouru le globe et établi de fortes relations avec les peuples du monde. Il est temps pour nous de les recontacter pour voir si les échanges avec eux ont porté leurs fruits. Si la sécurité à bord reste en permanence le mot d'ordre, il y a tout de même des consignes à respecter quotidiennement, loin du confort de la maison, car l'eau et la nourriture est en quantité limitée à bord. Si les équipages qui se succéderont devront surtout apprendre à vivre avec toutes ces restrictions durant ce voyage à bord de Hokulea, ce sera sans doute une manière de sensibiliser toute une génération au danger et au gaspillage des ressources que la Terre nous offre encore généreusement. Le message Malamahonua a bien été reçu dans le monde, particulièrement chez les peuples indigènes qui n'ont pas encore connu comme nous l'évolution des technologies. Plusieurs de ces petits villages que nous avons visités semblent avoir plus de richesses dans la connaissance, une meilleure qualité de vie. Le voyage Malamahonua, initié en mai 2014 par une escale à Taputapuatea, aura conduit la pirogue traditionnelle Hokulea dans 27 pays et 150 ports à travers les océans du globe. Cette petite visite à bord de Hokulea aura certainement permis à la population de Taputapuatea de s'évader vers d'autres horizons. Et l'on profite d'immortaliser cet instant marquant par des clichés souvenirs, espérant que le message de protection de la nature, de l'environnement, a également été bien reçu, afin que nous puissions prendre de bonnes décisions pour que nos enfants de demain puissent habiter un meilleur monde.